vous fais une petite vidéo donc, qui va consister à vous expliquer comment je lave ma chienne et ce qu'il faut prévoir pour laver un chien, etc. Donc, Canel est déjà dans la baignoire. Donc, moi, je lave ma chienne dans une baignoire et non dans la douche. Donc, déjà, je vous conseille de prévoir de nombreuses serviettes. Moi, j'en ai 4, plus une en bas, à côté du bain pour pas trop salir. Donc voilà, des serviettes pour bien sécher votre animal. Après, vous pouvez choisir des serviettes que vous ne vous servez plus ou alors des serviettes sales. Moi, je les ai récupérées dans ma machine à laver. Elles n'étaient pas encore lavées. Et donc, voilà, elles seront lavées pour une bonne cause. Je vous conseille d'enlever votre pull parce que certains chiens ont effectivement des puces. Et vaut mieux remettre notre pull et qu'il n'y ait pas de puce sur votre pull. Voilà. Ensuite, donc je vous conseille un bon shampoing fait pour les chiens et non pour les humains parce que c'est pas bon pour le poil du chien. Donc voilà, donc là ça manque un petit peu de luminosité mon truc. Donc moi c'est un shampoing antiparasitaire. Donc qui consiste à éliminer les puces, les poux et les tiques. Voilà. Donc voilà. Donc prévoyez bien un tapis de bain, enfin un tapis pour mettre par terre. Voilà, donc vous enlevez le collier de votre chien. Donc le mien, il est là. Voici le collier de mon chien. Ça sert à rien de lui mettre un collier, sauf s'il craint vraiment la douche, vous pouvez l'enlever. Si vous avez un jeune chien, par exemple un chiot que vous allez laver pour la première fois ou l'une des premières fois, vous pouvez lui laisser, excusez-moi, vous pouvez lui laisser le collier, un harnais pour le tenir afin qu'il ne gicle pas de l'eau partout une fois que vous allez le laver. Vous pouvez également lui donner quelques croquettes afin que votre chiot assimile le bain à du bien-être. Parce que c'est vrai que les chiens n'aiment pas l'eau. Pour eux, la douche, c'est pas un endroit où ils vont se relaxer. C'est pas comme nous, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à lui emmener quelques croquettes. À lui donner une croquette quand il rentre dans la salle de bain. Quand il rentre dans le bain, quand vous allumez l'eau, quand vous mettez le shampoing, quand vous rincez, etc. Et surtout après, n'hésitez pas à nourrir votre chien juste après, comme ça, ça renforcera vraiment le bien-être du bain. Maintenant, je vais vous montrer comment je fais rentrer mon chien dans le bain. Alors, soit votre chien, il rentre directement dans le bain, soit vous serez obligé de le porter parce que moi, par exemple, ça glisse. Je vais vous montrer quelque chose de très utile. Dans votre bain, n'hésitez pas à mettre un tapis anti-glisse. Parce que c'est vrai que la baignoire, ça glisse. Donc, je vous conseille de mettre un tapis anti-glisse. Donc, avec des petites ventouses comme ceci. Qui vont servir à ne pas faire glisser le tapis ni le chien. Allez, on passe à la pratique. Donc, moi, ma chienne, elle ne peut pas rentrer dans le bain toute seule. Donc, je vais venir la mettre debout. Prendre à cet endroit-là. Bon, pour les chiens, pour les mâles, c'est peut-être pas la meilleure solution. Et par le poitrail. Je vais la soulever en gardant mon dos droit pour ne pas me faire mal. Hop. Et je la pose délicatement dans le bain. Donc moi, je lui demande toujours de s'asseoir pour qu'elle reste calme et qu'elle ne saute pas du bain. Voilà. N'oubliez pas de tout préparer avant de laver votre chien, comme le shampoing, la serviette, etc., etc. D'avoir tout sous la main, histoire de ne pas sortir de la salle de bain. Votre chien risquerait de sortir du bain et de mettre de l'eau partout. Je vais passer donc à une autre étape. Je vais mouiller mon chien. Donc vous prenez de l'eau tiède, pas trop chaude, pas aussi chaude que nous on la prend. Parce que c'est vrai que les chiens ont un manteau, c'est comme s'ils prenaient la douche habillée. Ils ont donc suffisamment chaud. Assis. J'espère que vous voyez bien. Donc on commence plutôt par le bas du corps. Ne mettez pas l'eau trop avec une pression trop élevée. Ça pourrait lui faire peur. Alors, Canel, debout, tu recules un petit peu. Recule. Assis. Voilà. Je pense qu'on voit mieux comme ça.
voile ma chienne à l'habitude, même si elle n'aime pas ça. Donc je viens doucher les pattes, je commence par le bas, comme pour les chevaux. Assis. Recule. Voilà, assis. Allez, on mouille le cou, on évite les oreilles parce que c'est souvent cette partie-là que le chien se coupe. Voilà, on prend la tête en dernier parce que le chien se secoue la tête et ça met de l'eau partout. Voilà, je vais venir faire l'autre côté. Je vais me mettre devant la caméra. Voilà. De cette façon, on mouille le chien en entier. Donc ma chienne n'est pas très joyeuse visiblement quand elle prend sa douche. Une fois le chien entièrement mouillé, sauf la tête, si votre chien craint la tête ou secoue la tête, etc. On va venir prendre donc notre shampoing et en mettre en quantité suffisante. Par contre là le chien il se lèche, mais quand vous aurez appliqué le shampoing, le chien il ne faudra pas qu'il se lèche parce qu'il pourrait s'empoisonner entre guillemets. Allez cadet, assis. Quand vous rincez, n'hésitez pas à faire asseoir le chien. Comme ça, l'eau coulera vers le bas. Allez, assis. Donc, j'en mets déjà à la base du cou. Voilà. Je ne sais pas si on voit très très bien. Hop. On en met à la base du cou. On va bien frotter au niveau de la peau, hein, parce que les puces sont principalement vers la peau. Donc après, je parle pour un shampoing anti-puces, hein, parce que je trouve que pour moi, c'est le plus utile. Voilà. Voilà, on va venir bien gratter le chien avec les doigts et tout ça. Vous pouvez faire ça avec une brosse. Je pense que ça peut le faire aussi. Pareil pour le cou. Faut pas oublier même les parties qui sont un peu pénibles à laver. Voilà, de bien savonner. Une fois qu'on a bien fini le cou, on va descendre progressivement. On va mettre du shampoing plus en bas, donc au niveau de l'épaule. Et on va frotter comme ça. Et on va faire ça sur toutes les parties du corps. Voilà. Pour l'instant, on n'a toujours pas mouillé la tête. Voilà. Donc, voici le chien une fois savonné. Ça doit être bien à la racine du poil. Voilà. Donc là, ça fait bleu, c'est les lumières. Voilà, bien à la racine du poil. Une fois que, en appliquant tous mes conseils, vous avez bien savonné tout le corps de votre chien, sauf la tête. La tête n'est toujours pas mouillée. Vous laissez attendre le temps. Une fois tout le shampoing appliqué, vous devez attendre le temps qui est indiqué sur le shampoing. Ici, c'est 5 minutes. Une fois le temps écoulé, vous pouvez rincer. Donc, on va mouiller la tête en dernier quand on aura bien tout rincé. Donc, à la fin qu'on rince. Voilà, bon, on commence toujours par le haut. Voilà. Ok, la tête, assis comme ça. Voilà. On emmène bien l'eau descendre le long du corps de l'animal. Alors, je bloque. Allez, assis. Voilà. Comme ça, vous voyez sûrement mieux. Allez. Pareil, on cherche bien à rincer la base du poil. À
chatouille aux endroits où il aime. Par exemple, le bas du dos, il adore. Voilà, c'est un conseil pour rendre la douche encore plus agréable avec votre animal. Pouvoir s'occuper de la tête. Assis. On va donc mouiller la tête en tenant le museau du chien afin qu'il ne se coupe pas trop sa tête. Voilà. Voilà. On essore un petit peu les oreilles en les pressant délicatement, mais pas comme un gros malade. On peut mettre une serviette sur la tête du chien afin qu'il ne nous arrose pas en secouant sa tête. Ce qui est très pénible. Voilà. Donc, j'ai eu le temps d'aller chercher mon shampoing. Alors, on prend donc notre shampoing. On va faire assis canne. Assis. Assis. Donc, je sors un petit peu. Mon chien va sûrement secouer la tête. Non. Gardez la serviette à côté de vous afin que si il remue la tête, que vous ayez le temps de la prendre. Alors, on prend le shampoing, on veille à ne pas en mettre à l'intérieur des oreilles et dans les yeux. Ça paraît très logique. Voilà, on y fait bien donc. Ici, je vais essayer de rabaisser le trépied un peu. Voilà. Alors, on prend notre shampoing et on l'étale donc sur toute la tête du chien. On évite quand même le nez, je pense pas que ce soit très important de nettoyer le nez du chien. Vous pouvez faire l'extérieur des oreilles en frottant bien parce que la mienne a une gale d'oreille qui est incurable. Donc, je nettoie les oreilles de cette façon. On voit rien en fait. Donc voilà, comme ça, afin de bien nettoyer l'intérieur des oreilles. Voilà. Pareil sur l'autre oreille. Mais je ne vais pas aller à l'intérieur de l'oreille. On va juste rester sur l'extérieur et l'épaule extérieure. Voilà, on va dire que ça lui fait du bien. Et donc, on fait bien le haut de la tête. Voilà. Une fois que ceci est fait, le chien comme ceci, afin que le shampoing coule le long de son corps. Voilà. Une fois qu'on arrête l'eau, on tient bien le museau du chien pour pas qu'il secoue sa tête. Et on met la serviette donc sur la tête pour ne pas qu'il salisse tout. Voilà, bon moi j'ai pas très très bien rincé. Voilà. Donc, et je vais recommencer l'opération jusqu'à ce que la tête de mon chien soit. Je place une ou plusieurs serviettes sur le sol afin de ne pas mouiller tout. Je vais sortir donc le chien de la baignoire, donc je prévois des serviettes pour moi, enfin pour lui. Je prends une de mes serviettes. Ah, là, vous n'allez pas très bien voir. Je vais essorer mon chien au pire et je vais lui mettre la serviette sur le dos pour pas que l'eau saute de partout quand il va descendre. Je tiens bien à ce niveau-là. Canel descend. Hop, j'arrête mon chien tout de suite. Assis Canel. Et voilà. Mon chien est prêt à être séché. Voilà. Donc, pour sécher le chien, on va prendre une serviette et on va le frotter comme pour nous, pour sécher tous les poils. Voilà. Il va s'ébouriffer pas mal de fois. Donc il faut bien prévoir. Mais mettre un petit peu de cette chose.
très belle. Une fois que votre chien est totalement sec, vous pouvez soit lui faire faire une petite promenade pour lui faire prendre l'air, pour lui changer les idées, etc. Soit le mettre dans votre jardin afin qu'il puisse sécher et puis après le rentrer tout de suite après, juste pour qu'il puisse se défouler.